Good morning, Aleid, and let's rejoindre le Lunishmat Dov Ben Yudit, Vataraman Ben Chedva, Chayester Bat Miriam, Mitzrak Perez Ben Fortuna et Chaim Michael Ben Sultana. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, complète 5 minutes éternelles, nous étudions Maser Chabat Perikud Gimel Mishnah Zain. Yashava Echad ala Petach velo mil ahu. Yashava Sheni u mil ahu. Asheni Chayav. Yashava Rishon ala Petach u mil ahu. Uba Asheni ve Yashav Betsido. Afalpi Shehamad Arishon Vanachlo, Arishon Chayav, Vashani Patur. Halema Zedome, Lenoelet Beto, Le Shomro, Venimza Tzvi Shamur Betocho. On continue avec les halachot de Tzeda, de capturer un animal pendant Shabbat. Et la Mishnah me dit comme ça. Yashav a Echad à la Pétach. Il y avait une porte. D'abord, on oublie de préciser, il y a une introduction. C'est qu'il y a un cerf, un Tzvi, qui est déjà rentré dans la maison. Maintenant, ils ont voulu lui fermer la porte, mais il n'y avait pas de porte. Donc du coup, ils se sont dit, bon, on va aller le bloquer nous-mêmes. Comment on fait? On se met devant la porte. Il y a une première personne qui arrive, qui commence à se mettre devant la porte, mais il ne remplit pas tout l'espace. C'est-à-dire qu'en réalité, le tzvi, il peut venir forcer et passer. D'accord? Et après, donc, je reprends. Yasha va'echad à la pétard, il y en a un qui s'assit sur la porte, c'est-à-dire dans l'espace de la porte. Velo milaou, il n'a pas encore rempli la porte, parce que maintenant, le tzvi, il peut passer de l'autre côté. Et après quoi, Yasha Vacheni ou Milaou, il y a une deuxième personne qui est venue, qui s'est dit, bon bien, moi je vais boucher le petit trou qui manque. Donc le premier, c'était déjà un obèse qui fait 1,5 m de large. Le deuxième, il fait 50 cm de large, mais Tachles, ou mais concrètement, celui qui finit de boucher la porte, c'est le deuxième. Et bien la Mishnah me dit, Hacheni Chayav, ben, c'est le deuxième qui est Chayav. Le premier, il n'a pas encore capturé l'animal, parce que même s'il lui a diminué l'espace pour sortir, il peut encore sortir, donc il n'est pas encore capturé. Tandis que le deuxième, c'est lui qui a fait le travail entièrement. Donc c'est le deuxième qui est chayav. Yashav Arishon à la Petach Umilaou. Maintenant, un autre cas de figure. Que le premier s'est assis devant la porte, sur la porte, devant la porte. Umilaou, il l'a rempli. Donc ça y est, le tzvi, il est bloqué, il ne peut plus sortir. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Uba Sheni Veyashav Betsido. Et le deuxième, il est venu et il s'est assis à côté, plutôt derrière lui. C'est-à-dire, imaginez, vous avez un espace d'une porte qui s'étend sur un mètre de large, de profondeur, d'accord, un mètre de largeur et un mètre de profondeur. Et le premier vient, il se met devant la porte. L'autre vient, il se met derrière lui. Et il bloque aussi le mètre de large. Et après quoi? Et le après, Afalpi, Shahamad Arishon, bien qu'ensuite, bien que Ahmad Arishon, le premier s'est levé, Vehalachlo, il est parti ensuite. Arishon Chayav et Hacheni Patour. Ce sera le premier qui sera Chayav et pas le deuxième. C'est-à-dire, vous avez compris le truc? Il y a une pièce, un tzvi, un cerf qui est rentré dedans, une personne qui vient qui bloque le passage, une autre personne qui vient derrière lui qui bloque lui aussi le passage, mais pour le moment ça sert à rien parce que le premier est encore là. Après, le premier s'en va. Est-ce que le deuxième il transgresse un canton interdit? Le premier, c'est lui qui a fait le travail de capturer. Le deuxième, apparemment, il est en train de maintenir l'animal capturé. S'il part, le tzvi s'en va. Malgré tout, la Mishnah me dit, le deuxième, il n'est pas tout, et mieux que ça, c'est même permis complètement, comme ça découle de la suite de la Mishnah. Je vous expliquerai rapidement ce qui va se passer dans la suite de la Mishnah, la petite phrase. C'est qu'en fait, la Mishnah va justement venir m'enseigner que c'est tout à fait permis. Une fois que le premier, il a fait le travail, le deuxième, il n'a pas lieu de craindre quoi que ce soit, il peut y aller, il peut rester, même si c'est pertinemment qu'après le tzvi, il va rester capturé grâce à lui. Malgré tout, il n'a aucun souci à se faire, parce qu'il ne transgresse pas du tout d'interdit, et c'est même permis a priori. D'accord? La Mishnah, pour exprimer combien c'est permis, elle va utiliser un cas, que le cas lui-même, il est tout à fait flou, donc en fait, on n'a presque pas gagné grand-chose, si c'est au contraire qu'on va apprendre quelque chose de nouveau dans le nouveau cas. D'accord? C'est fréquent dans la Mishnah. Et je traduis d'abord. Alema Zedome, à quoi le cas ressemble-t-il? Les Noël et Beto les Chomro. À une personne qui fermerait sa maison pour la garder, Baït c'est masculin en hébreu, donc les chomro pour le garder, quelqu'un qui ferme sa maison, littéralement tel que c'est écrit, quelqu'un qui a fermé sa maison, il est entré chez lui, il avait la porte ouverte plutôt, il est entré chez lui, il a fermé la porte, et il se retourne et il voit Bambi qui est dedans. Le petit cerf il est là, et donc Venimtsa Tzvi Shamur Betoro, il s'avère qu'il y a maintenant un Tzvi qui se retrouve dans la maison. Voilà l'exemple que la Mishnah nous rapporte pour nous dire que, donc, j'ai rien fait, moi je suis rentré chez moi, j'ai ouvert ma porte, la porte, non, comme j'ai dit, il faut dire que la porte elle était déjà ouverte, je suis rentré chez moi, j'ai fermé ma porte, j'ai pour le moment rien fait de mal, et d'un coup je me retourne et je vois que j'ai capturé un cerf.
Voilà, et donc, comme autant que je suis irréprochable, qu'est-ce que je fais aucun, apparemment, je ne fais aucune mélacha, donc du coup, je suis irréprochable, autant que celui-ci, on ne peut rien lui reprocher, eh bien, au même titre, le deuxième qui est venu, c'est la comparaison, le deuxième qui est venu boucher la porte lui aussi, il a rien fait. Voilà la Mishnah telle qu'elle se lit et traduit. Or, le cas, il n'est pas du tout, il est complètement flou. Tout d'abord, parce que le cas qui a fait, de celui qui ferme la maison, ce qu'il est dispensé, qui ne transgresse pas d'interdit, c'est parce qu'il s'appelle qu'il est mitasek. Il est en train de faire une action et pas, il n'a aucune intention de faire l'autre intention. Donc c'est pour ça qu'il est dispensé. S'il avait une quelconque intention, qu'il savait qu'il y avait un tzivi qui était dans la maison et qui vient faire qu'il ferme la porte, il transgresse un interdit. Il transgresse l'interdit de Tzad, même s'il fait que de fermer la porte. Quand on ferme la porte, sache que quand tu fermes la porte, tu fais deux. C'est une action qui a deux conséquences. Premièrement, tais-toi à protéger des voleurs extérieurs, ça c'est permis, mais puisque cette action, elle est en même temps, elle implique en plus de ça une deuxième action qui est la capture du cerf, eh bien tu transgresses un interdit de Raïta, de Shabbat. Donc en fait, le machal, la parabole, enfin la comparaison, elle est très étrange. Suite à cela, les Mefarchim m'expliquent qu'en réalité, alors le Barthénois il est assez flou, il suit le même chat que Rashi, il précise en réalité qu'on parle qu'il y avait un tzvi qui était déjà capturé dans la maison. Il était par exemple attaché, tout ça tu m'avais expliqué un peu comme ça. Il était déjà attaché à la maison, puis toi tu rentres chez toi et tu refermes la porte. Ce n'est pas parce que tu as. En fait, on a envie un peu de dire que même si que lorsque tu rajoutes une protection supplémentaire, et qu'après la première protection on va s'en aller, tu ne transgresses pas d'interdit. C'est ce qu'on a voulu dire. En fait, comment on exprimait ça? En réalité, il y avait un tzivi qui était déjà là. C'est ça, Nimtsa, Tzivi Shamon. C'est pas qu'il s'avère qu'il y a un tzivi qui était. Mais c'est qu'il y avait déjà un tzivi qui était gardé dedans. Donc en fait, tu avais un tzivi, tu avais un cerf qui était déjà attaché à une corde à l'intérieur de la maison. Toi, tu entres et tu fermes la porte derrière toi. Tu as ajouté une deuxième protection, mais tu ne transgresses pas d'interdit. Même si au bout du compte, la corde, il y a quelqu'un qui va défaire la corde et que le tzivi va se promener dans la maison, mais qui ne pourra plus sortir par le fait que tu as fermé la porte. C'est un peu l'idée comme ça que c'est présenté. On n'a qu'à retenir d'ailleurs cet avis plus ou moins. Avec quand même, tel que c'est présenté, voilà, le cas il se présente comme ça. Le Tiferet d'Israël, il explique un petit peu plus subtilement qu'est-ce qu'on a voulu t'apprendre de là. En fait, on a voulu t'apprendre de là, pas exactement sur l'action d'avoir fermé, mais surtout le grand chidouche, c'est qu'une fois que tu réalises que maintenant toi tu maintiens un interdit, tu maintiens la capture du Zvi, t'as aucune nécessité de rouvrir la porte. Voilà ce qu'on a voulu dire en deux mots. Tel que Tiferet, il met l'accent. C'est ça en fait. Imagine qu'en réalité, tu avais un tzvi qui était déjà gardé à la maison, plutôt de seconde. Exactement, ouais. Le Tiferet, ça lui part, il part du principe que non. Réellement, le cas de figure du tzvi, c'est un peu flou en fait. Il y a deux manières de. Au début, en tout cas, tu as fermé la porte et il s'avère que tu as un tzvi qui est dedans. Donc tu as capturé un tzvi, c'est vrai. Mais est-ce qu'on te demande de rouvrir la porte? Non. C'est-à-dire, une fois que l'état il est tel quel, t'as aucun intérêt, aucune nécessité à rouvrir la porte. Eh bien, c'est ça ce qu'on a voulu te dire en fait. Que si tu avais déjà le tzvi qui t'a fermé la porte, on te demande pas de rouvrir la porte. Au même titre, il y avait pour le moment le premier qui bouchait la porte. Toi t'es venu, tu t'es mis dans la rue, pour le moment, t'as fait aucun interdit. Lorsque le premier s'en va, même si tu maintiens maintenant l'état du tzvi, du cerf capturé, tu as aucune nécessité de te pousser pour le laisser ressortir. Voilà ce qu'on a voulu en fait déduire de cette comparaison. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Touv, Salam.